Salut les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Shadow of the Tomb Raider. Donc rappelez-vous, sur la dernière vidéo d'hier soir, j'étais en featuring avec Captain Presnawa qui a une chaîne aussi comme moi, mais en beaucoup plus travaillée. Donc voilà, vous pouvez retrouver sa chaîne à partir de ma chaîne à moi, parmi les abonnés, tout ça, tout ça. Donc voilà, on s'était laissé là. Jonah n'avait plus de bras parce qu'il y a eu un bug du jeu, on sait pas pourquoi. C'est quoi ça derrière? Il n'y avait pas des trucs à récup là? Non, il n'y a que ça là-bas, mais sinon il y a que dalle. Et si je mets la map, on a rien du tout. On a rien du tout. Hop, bon alors. On va commencer donc les éliminations furtives. Si le jeu, bien sûr, me le permet. Où tu te caches? Alors lui derrière, faut pas qu'il se retourne. Voilà, merci le jeu. Merci de ta clémence. Faut que je me détende, je suis trop stressé. Voilà, donc là pour le moment. On s'en sort bien. Alors là-bas, il y a tout un groupe. Là-bas, je sais pas ce qu'ils foutent. Qu'est-ce qu'ils regardent? Je ne sais pas non plus. Là-bas, il y a des trucs à récup. Ok, c'est parti. Passe devant. Alors, je sais pas s'ils peuvent me voir ou. Ou autre chose. Ben pardon, comment ils font pour me voir? Je suis dans les. Oui. Alors ils sont combien? Ok. Bon. Est-ce qu'il y a moyen de se planquer? Ok, bon, on navigue. Où est-ce qu'ils sont? Alors j'en ai un là. Ok. Lui là-bas. Voilà, vas-y, viens, tu as raison. Il est pas mort. Voilà, bon, une bonne chose de faite. De toute façon, très clairement, je suis pressé de le finir ce jeu, voilà. Parce que franchement, les phases d'infiltration, ou c'est pas mon fort, ou c'est très mal foutu. Mais donc, dans les deux cas, je pense qu'il y a des deux. Est-ce que je peux récupérer des choses? Non, c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour se soigner, on récupère, c'est toujours intéressant. Ça je peux pas le récup. Là-bas il y avait ça. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Alors je vais vite fouiller, vite fait la zone parce que je sais pas si il y a des choses à récupérer ou quoi. J'ai pas assez de place pour ça. Mais bon, c'est pas étonnant que Square Enix ont fait faillite et se sont fait racheter parce que. C'était quoi ça? Ah, je pensais qu'on pouvait grimper vu que c'est le mur était blanc. Qui est-ce que j'ai pas looté? Ouais, j'espère ne rien louper, franchement. Alors, la suite du jeu, elle était là-bas. Ok. Ah, il y a lui là que j'avais pas looté. Bon, bah, apparemment, il y a que dalle. Ouais, il y a que dalle. Alors, est-ce que je peux recharger? Ok. À ce niveau-là, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut, on est bon. Est-ce que là, je peux recharger? Non, c'est pas la peine. Ok, bon, bah, on y va. Je sais pas trop ce qui m'attend. Je pense qu'il y a encore une phase de combat, c'est sûr. Cardinal 6, voilà. On accroche ton visuel. Elle est à la distillerie. L'équipe d'Icon, déploiement. Icon en attaque, commandant. Voilà,
Elle est là. Butez-la. Ah ok, d'accord. Ok, bon voilà. Lui, c'est fait. Crève. Oh la foire. Allez, ça c'est fait. Ah, il y en a encore un là. Comment il le sait qu'elle est à sec? Ah, il doit compter les... C'est quoi ça? Oula, oula, le joystick. Doucement. Voilà. Et l'autre là-bas. Voilà. Lara, je suis dans l'hélico, j'ai un pilote. Quoi? Dépêche-toi. Alors, on pouvait fabriquer des cocktails Molotov, mais très sincèrement, je me suis foutu complètement du cocktail Molotov là. Ou de ce que le jeu peut me proposer, parce que franchement. Alors, est-ce que ici il y a quelque chose de caché? Non. Peut-être des trucs là-haut. Alors, le jeu me dit d'aller vers l'hélico. Voilà. Allez, j'espère qu'il y a des trucs ici, là. C'est quoi, ça? Est-ce que c'est pour aller vers l'hélico? Oh, je sais pas, en fait. Mais il y a des passages. Alors, bon, on va bien fouiller la zone. Bon, j'espère ne pas faire une vidéo beaucoup trop longue. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Est-ce qu'on peut grimper ici? Non, on peut pas grimper. Est-ce qu'il y a des trucs là-haut? Non plus. Attends, tout cette grande cabane, ce grand moulin, je sais pas ce que c'est pour rien. Quand même. Bon là, il y a le feu. C'est sûr qu'on peut pas grimper. Ok. Je remets la map. Peut-être que non, il y a que dalle. Ah ben, je suis bête en fait. Ben, mission de San Juan. Ben, en fait, non, j'allais m'immoler tout seul là. Qu'est-ce que... Donne-moi cette boîte. Non. Jonah. Allez. Oh. Tu vas bien? Ça aurait marché. Ils iront pas bien loin. Vas-y. Vas-y, ça ira. Ok, donc là, pour eux, c'est la fin du chemin. Enfin, pour le moment, hein. Et nous, bah, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire, en fait, parce que... Ah ouais. Oh là là, vite. Alors là, je sais pas du tout où il faut aller. Ok, oula, il est sous-calqué, incroyable.
Ok, ouf. Allez, madame. Elle a le temps de se retourner et de dire eh ben. Hein. Par là. Ok, là pour le moment ça va. La poutre. Oulala, oulala. Allez, ça va, pour le moment on s'en sort bien. What the... Lolo. La corde. J'ai failli me louper. Oh. Le crapaud. Oh, vite. Oh non. Oh, mais je croyais qu'il fallait sauter avant, en fait. Je me suis fait avoir. Ah, oh, je suis nul. Pourquoi j'ai appuyé sur la croix? Donc là, il faut appuyer sur la croix. La corde. C'est le gros bordel. Et là encore, voilà. Hop. On évite les barricades. Mais saute! En fait, tout le monde l'a vu, la plateforme où il fallait aller dessus. J'ai appuyé sur la croix, là. Mais c'est l'arbitre. J'ai sauté, mais... Elle a pas répondu. Elle m'a mis un gros fuck là, m'a dit. Ouais, si tu veux. Ouais, si tu veux. Saute. Mais non, pas deux fois quand même. Pas deux fois. Enfoiré. Ah, je suis pressé de le finir ce jeu parce que j'ai l'impression que les bugs... sont de plus en plus nombreux. Je ne cherche pas d'excuses parce que là ça fait deux fois d'appuyer. Mais qu'est-ce que... Attends, mais il y a un problème là. Ou j'ai la manette qui bug, je crois pas du tout, ouais. Mais je sais pas. Là il faut qu'on m'explique là. Bon allez, concentration, on va appuyer deux ans avant parce que sinon bah, ça arrive pas apparemment. Voilà. La phase qui apparemment bah, est compliquée à passer. Voilà. QG, ici Cardinal 1. Tous les systèmes sont logés. On repart. Direction voilà. 327. Je sais pas où on va comme ça. Ah, je suis peut-être allé trop vite pour le jeu, je sais pas. Ok. Faites qu'il y ait un rocher qui lui tombe dessus, là, qu'on en finit, parce que là, c'est bon, ça suffit. Un gros rocher bien lourd, là, qui lui tombe sur la tronche, là. Alors, pourquoi ça répond pas quand on appuie, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous ressentez tout le fun dans ma voix là? C'est incroyable. Bon bref, on va pas polémiquer pendant 10 ans non plus. Mais là, plus on avance dans le jeu, et c'est vrai que plus je suis déçu là. Entre les phases de filtration, la madame qui répond pas, regarde-moi là, tête de déprimée là. Prends un exomil. C'est encore loin. Je suis désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute. C'est Dominguez, c'est... les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte, et on arrêtera Dominguez. Ah, on va retrouver notre poteau. Monsieur avec les fesses à l'air. Majesté. Lara! Où est la boîte? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel.
Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie. Prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Donc là, du coup, vu qu'on retrouve tout ce beau monde, on retourne à... Je vais rester pour aider Ushu. À Paikichi. Préviens-moi si t'as besoin d'aide. Ok. Alors, retour à la case départ. C'est le trophée que je viens d'avoir. J'ai un point de compétence. Est-ce que maintenant, on peut utiliser les armes à Paikichi pour que je puisse faire le défi, le dernier défi qui me reste, et ainsi que les missions secondaires qui me restent à faire. Donc il y en a 4. C'est pas pour rien qu'on retourne ici. Donc là-bas, bah, du coup, tout est fait. Là-bas, c'est quoi, cette mission de San Juan? Bah, tout est fait aussi. Le jeu est complété à 91%. Du coup, bah, je pense que bah, si je vais à la mission principale, bah, ça va nous mener directement tout droit à la fin du jeu. Mais enfin, j'aurais voulu récupérer tout ce que je n'ai pas récupéré à Paikichi, ainsi que les missions secondaires. Bon, je pense qu'on va se pencher dessus. Tout est plein, je peux plus. Du coup, la Mifi à Paikichi, je sais plus où est-ce qu'il est. Le dernier défi, donc c'est avec les poutres, je crois. Je vais essayer de retourner dans ce secteur pour trouver les poutres avec les cordes avec pour tirer avec les flèches dessus. Donc là, j'ai un feu rien de prendre. Camp. Je m'en fous, madame, que tu ne peux rien prendre. Tu m'as saoulé avec ta phrase. Merci. Ah bah, j'ai une mission à faire avec lui. Bon, on va d'abord essayer. C'est j'ai incroyable bien dit. Comme Etsli a changé en si peu de temps. Il a perdu ses deux parents. Oui, comme toi. Alors, 5 points de compétence, ça c'est bien aussi. 5 points de compétence. Alors, je vais essayer de trouver un truc qui est intéressant. Croc de serpent, c'est quoi ça? Étreinte de l'aigle. Serre d'aigle 2, c'est quoi ça? Sur une branche, utiliser une flèche grappin pour tuer et cacher le corps. Ok. négocier les réductions sur les objets vendus par les marchands. Ouais. Efficacité des plantes de perception boostée. Ajoute la capacité de détecter les ennemis. Et la perception dure plus longtemps. Je sais pas quoi prendre. Bah tiens, ça m'intéresse. Voilà, alors il faut maintenir L1, puis appuyer sur carré pour utiliser les plantes de concentration. Concentration améliore votre réaction et ralentit le temps quand vous visez. Okay. Donc il me reste du coup 3 points. Est-ce que les effets de plantes de concentration durent plus longtemps? Et efficacité des plantes de concentration boostée prolonge le temps de concentration quand vous visez. Je vais plutôt prendre celui-là. Voilà, bah, en fait des compétences à apprendre, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quand même. Il en reste encore 10 alors que on a fait pas mal de choses quoi. Ouais. Il en reste beaucoup quand même. Mais je crois qu'il tient mieux le choc que moi. C'est juste l'impression qu'il donne de l'extérieur. Il a un poids énorme sur les épaules. Je me mets à sa place. Ça concerne plus juste les Trinitaires, je me trompe. Non. Maintenant, c'est Paikichi. Est-ce qu'ils ont fini de parler? Je pense que oui. Je pense qu'ils ont fini de papoter. Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Je crois pas, mais... bah non, j'ai pas d'exclamation sur... les armes. Alors on va être vite. Ah bah je voulais me téléporter pour aller plus vite. Enfin j'espère que ça va aller plus vite du coup. Hein. Me téléporter donc du coup vers ici en fait. C'est quoi ça? Feu de camp, quartier du peuple. Le peuple. Pour vite faire le défi avec les poutres et les cordes pour tirer dessus avec les flèches et tirer dessus. Je sais plus. On va voir ça.
le défi de la météo. J'espère que le chargement va aller vite, parce que c'est bon, on est toujours à Paititi, quoi. On va pas non plus dans une autre zone, je sais pas où. Sinon, voilà, comment. Ben voilà, je vais vous poser des questions en attendant. Comment vous trouvez le jeu, vous, ceux qui regardent la vidéo, bien sûr. Dites-moi-le en commentaire. Si vous voulez que je mette plus de. Ben, de solutions au jeu, dites-moi-le aussi dans les commentaires. Et ainsi de suite, quoi. Dès que vous avez des questions, n'hésitez pas, quoi. Je suis là pour ça, on va dire. Du coup, le feu de camp que j'ai sélectionné là-bas, je vais vite le virer pour pas qu'il me gêne. Voilà. Et du coup, on va chercher ces putains de poutres. Si je les trouve. Alors, normalement, elles seront en surbrillance, hein, vu que j'ai la compétence pour repérer les défis, les choses à faire et ainsi de suite. De la peau, je peux pas en récup. S'il vous plaît, messieurs, dames, arrêtez de crier, je n'en peux plus de vous entendre. Est-ce que ici, non, ici, après, on peut pas y aller. On va couper ici, voilà. Est-ce que ici, non, il n'y a pas de poutre. Oula, mince. Oula. Voilà, bah en fait, c'est ça. Mais à part. Ah bah oui, voilà. Nous pouvons. Voilà, donc ouais, voilà. Météo changeante, c'est bien ça. Donc j'en ai trouvé un. Il m'en manque 4. Alors je sais pas où est-ce qu'ils sont exactement. Mais on va chercher. On va chercher tranquille. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que la vidéo n'a pas encore atteint les 30 minutes. Donc j'espère les trouver avant 30 minutes pour pas que ce soit trop long. Donc là, ouais, je viens de voir que le jeu me propose de mettre la tenue garde-serpent par rapport à une mission secondaire que je viens de passer devant, en fait. Donc je reviendrai ici à côté de ce, je sais que c'est à côté de ce défi, voilà. Donc je reviendrai pour voir qu'est-ce qu'il en est de cette mission secondaire. Une corde, ok. Ah, mais c'est peut-être pour descendre, pour descendre plus vite. Bon, on s'en fout. On va continuer à chercher, regarder surtout en l'air, hein, parce qu'un amulette ou de trésor, je sais pas ce que c'est, mais ça a des différentes couleurs. On va observer tout ça tranquillement. Alors, où est-ce que j'ai d'autres trucs dans ce style. Alors, est-ce que je me suis pas un peu trop éloigné? J'ai l'impression que oui. Venez voir si j'ai envie. Alors bon, je parle plus trop, j'essaye d'observer, de voir un peu. Oula, je vais où moi? Voilà, bon, on va rester comme ça. J'essaie d'observer où est-ce qu'il y en a des poutres à massacrer ou quoi là. Est-ce que je peux grimper on va repasser par ici. Enfin, repasser, je sais pas si je suis déjà passé là dans cette vidéo ici. Ah bah voilà, là, j'en ai un autre. Donc 2 sur 5. Je pense que j'en ai trouvé un qui était un peu compliqué. Puis il avait l'air. Il était bien caché quand même, hein. Fallait le voir. Il fallait le voir, mais apparemment, ouais, ça, ils sont un peu partout, donc ils sont pas forcément là où je m'y attendais. Ah bah là, j'en ai un troisième, là. S'il te plaît, Lara, sors les flèches. Merci.
parce que madame elle veut pas les sortir sinon. Donc ici, c'est bon, donc je vais rester dans ce secteur pour trouver les deux autres en espérant que... Ah bah, regardez. Donc il y en a deux à peu près au même endroit. Je vais juste grimper ici pour voir s'il n'y a pas le cinquième là, dans le coin. Ah bah regardez, ils sont tous les trois à peu près dans le même secteur. Donc voilà, le défi est fait, c'est cool. Et on est à 26 minutes de vidéo, c'est, franchement c'est plutôt cool. On a un peu d'histoire, un peu d'annexe, un peu de tout, des gens qui parlent tout seuls. Il dort. Fais des beaux rêves madame, tu as raison. Ça y est, j'ai pété un plomb. Et je pense que je vais retourner ici parce que notre copain de Paikichi, lui qui a les fesses à l'air, a une mission à nous confier, une mission secondaire. Et je vais juste aller me diriger là-bas et on va se laisser là-bas pour que quand je reprends, on puisse faire la mission secondaire du coup, ensemble, en vidéo. Pourquoi tu marches et tu cours pas ici, madame? J'ai pas le time, moi. Allez, la petite roulade des familles. On va passer par là. Ouais, on est dans le bon chemin. Je sais pas si tu vends des trucs intéressants, toi. Regardez ce que j'ai. Volontiers. Bah, du coup, t'as pas grand chose d'intéressant, mec. Par contre, ça devrait vous être très utile. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Du coup, qu'est-ce que je peux te vendre d'autre? Bah ça, j'en ai plus besoin, du coup, parce que ça, c'est... Attends. Peau de jaguar solide utilisée pour la fabrication d'amélioration et de tenue de haute qualité. Explorer le monde et parler au locaux pour localiser les prédateurs et proies rares. Voilà, bon, ben en fait, tout ça, je pense que j'en ai plus besoin. Dieu nous sourit. Ça aussi, ça devrait vous être très utile. J'ai tout amélioré. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Voilà, ça devrait vous être très utile. Ça aussi, non. Attends, plume d'aigle. Rare et solide, utilisé pour fabriquer des tenues. Voilà, donc tu vois, tout ça. Vous avez fait un très bon choix, mon ami. Ça dégage. Plume de condor. Ouais, toujours des tenues. Les voilà. Dieux nous sourient. Bon ben voilà, donc ça fait du fric, c'est cool. Et qu'est-ce que tu vends d'intéressant du coup? Des flèches silencieuses, des flèches incendiaires. Alors les flèches incendiaires, je les ai déjà. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. Ok, bah ouais. Merci mon ami. Des flèches silencieuses, bah qui servent pas à grand chose parce que bah, les trinitaires ils ont tous des armures, donc les flèches ricochent sur eux. Et du coup tes flèches silencieuses, bah tu peux te les foutre où je pense en fait le jeu. Ok. quelle violence quand même. Mais ouais non, bah, c'est la vérité quoi. Fait, c'est bien beau hein, tes flèches silencieuses, tes flèches qui sortent de je sais pas quoi. Moi ça m'aide pas. Où est l'entrée? L'entrée elle est où déjà? Je crois qu'elle est plus haut. Et après il y a une sorte de mini passage. Voilà, bon ben je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo, comme d'habitude, hein, je vous donne un rendez-vous peut-être aujourd'hui ou plutôt demain après mon taf hein, pour une nouvelle vidéo, alors aujourd'hui si j'ai le temps, comme d'habitude. Et moi je vous dis, prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, bordel, restez peace, et salut, ciao et à la prochaine.